Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Est-ce que votre Dieu est le Dieu le plus fidèle? Notre Dieu, c'est le Dieu le plus fidèle. La vie est comparée à un voyage. Un voyage difficile. Mais le Dieu fidèle a dit à Eliezer, l'Éternel devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Dans le psaume 37, le verset 23, le psalmiste nous dit, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. C'est Jérémie le prophète qui nous dit dans sa prière, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Nous voulons mettre l'accent sur la fidélité de Dieu à Abraham, mais d'une façon spéciale, et nous allons mettre l'accent sur ce thème, la marche à suivre ou la réussite d'une mission difficile. Dieu avait dit concernant Abraham, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et ainsi, l'Éternel accomplisse envers Abraham les promesses qu'il lui a faites. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, nous allons mettre l'accent sur la marche à suivre pour la réussite d'une mission difficile. Eliezer en mission. D'abord, nous allons mettre l'accent sur le CV d'Eliezer, vu par Abraham. Abraham était arrivé, il se sentait âgé, arrivé en temps de vieillesse. Il avait décidé de transmettre, de faire, ou du moins, de faire une sorte de transfert. Il avait décidé de choisir Eliezer comme son héritier. En jetant un coup d'œil sur le CV d'Eliezer, vu par Abraham selon Genèse 15, versets 1 à 3, Eliezer remplissait toutes les conditions pour être l'héritier pressenti d'Abraham. Eliezer, son nom signifie « Dieu est mon secours, Dieu est mon aide ». Eliezer était né dans sa maison, dans la maison d'Abraham. Il était considéré et traité comme son enfant. Eliezer était un de ses serviteurs les plus braves. Il était l'intendant de tous ses biens. Il était le plus ancien de sa maison. Et Eliezer adorait le Dieu d'Abraham. Il était un homme vertueux et un bon serviteur, autrement dit, ayant le sens de la responsabilité. En dépit du préjugé favorable dont Eliezer bénéficiait de la part de son maître Abraham, celui-ci s'était gardé de lui communiquer ce qu'il avait conçu dans son cœur. Mais l'Éternel Dieu, le Dieu qui connaît les secrets de tous les cœurs, bons ou mauvais, décide de parler à son serviteur Abraham dans une vision. Et dans Genèse chapitre 15, versets 1 à 3, le Seigneur avait parlé à Abraham ainsi, dans cette vision. Il a dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur,
Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui, c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et, là, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle est, sera ta postérité. Ainsi, Éliézer, candidat favorable pour devenir l'héritier d'Abraham, Dieu avait décidé autrement. Dieu avait décidé de donner une postérité à Abraham. Donc, il a fallu tout un renoncement de la part d'Éliézer pour devenir non pas l'héritier d'Abraham, mais le témoin, le représentant paternel du vrai héritier. Donc, Éliézer était un témoin. Dieu avait décidé autrement. La mission difficile d'Éliézer. Le Seigneur avait fait sentir à Abraham qu'il doit choisir une femme pour son fils Isaac. Abraham avait demandé à Éliézer de jurer fidélité. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sur ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Il est vrai, Abraham, ou du moins Éliézer, avait un bon CV, mais pour accomplir sa mission, il a fallu tout un renoncement. Mission difficile. Le travail de Dieu n'est jamais facile. Comprenez, étant que père de famille, vous avez légué, vous avez décidé à une personne de vous remplacer pour choisir un partenaire pour votre fils ou bien votre fille. La mission d'Éliézer n'a pas été facile. De même pour Moïse, sa mission pour affronter Pharaon n'a pas été facile. La mission d'Akab pour affronter, la mission d'Élie pour affronter Akab n'a pas été facile. Mettons l'accent sur les difficultés de la mission d'Éliézer. Éliézer, âgé environ de 85 ans, devait se rendre à Charan, assez loin de sa base, d'une distance de 720 km à parcourir à dos de chameau. 720 km à parcourir pour laisser Canaan et pour aller à Charan. Deuxième point de la difficulté du voyage d'Éliézer. Éliézer devrait identifier l'âme sœur, une fille vierge, l'élu du cœur d'Isaac, parmi toutes les filles de la zone de Charan. Ça, ce n'est pas une chose facile. Comment Éliézer va pouvoir utiliser ou bien identifier une fille vierge? Comment? Il n'est pas médecin. Troisième difficulté d'Éliézer. Éliézer devrait demander et obtenir, non seulement identifier l'âme sœur, mais demander et obtenir sa main en mariage au profit d'Isaac.
quatrième difficulté, convaincre les parents de la jeune fille de voir la nécessité de la laisser partir avec lui pour un long voyage. Et cinquième, c'est remettre la jeune fille à Isaac de la main à la main pour suite nécessaire. Une mission assez difficile, une mission délicate, une mission assez difficile, une mission presque impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Ainsi, nous allons mettre l'accent sur la marche à suivre pour réussir une mission difficile. Vous êtes père de famille, vous êtes entrepreneur, vous êtes leader, vous avez une mission à accomplir dans la vie. Soit dans le ministère, soit au travail, soit dans votre profession, soit dans l'éducation de vos enfants. Une mission qui n'est pas facile. Marche à suivre du serviteur d'Abraham, Eliezer. Son nom, je vous dis que c'est Eliezer, nom qui signifie « L'Éternel est mon secours ». Quand l'Éternel est votre secours, vous pouvez accomplir les tâches, même les tâches les plus difficiles. Même les tâches qui paraissent impossibles. Quand Abraham avait demandé à Eliezer de jurer loyauté, de mettre sa main sur sa cuisse, comme Jacob avait demandé à Joseph de mettre la main sur sa cuisse, c'était une façon de jurer fidélité. La première démarche d'Eliezer, c'est de réfléchir. Réfléchir avant d'agir. Réfléchir avant de s'engager. Réfléchir afin de ne pas obéir aveuglément. La Bible dit, et c'est Salomon qui dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Eliezer ne court pas sans être envoyé. Eliezer évite de confondre la vitesse et la précipitation. Eliezer avait un cœur obéissant, mais il évite la précipitation. Dieu donne de bonnes raisons pour le servir et nous encourage à faire preuve de réflexion dans toutes nos réactions à ses ordres. Abraham avait demandé à Eliezer, avait parlé à l'intendant de tous ses biens, ainsi, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse. » Mais je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, et de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Un temps d'examen, un temps de réflexion, c'est important. Des questions. Dieu ne se dérange pas quand il entend les chrétiens poser des questions. Le serviteur dit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Il faut réfléchir avant d'agir. Il faut réfléchir avant de donner votre cœur à n'importe qui. Il faut réfléchir avant de répondre. Il faut réfléchir avant d'entreprendre quelques tâches. Même si ces tâches paraissent faciles, il faut réfléchir avant d'entreprendre un voyage. Il faut prier. Il faut réfléchir avant de dire oui pour n'importe quelle question. Il faut réfléchir.
C'est la première leçon, c'est la première étape du serviteur d'Abraham. Il n'avait pas juré immédiatement, mais il avait posé une question. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu également, le Dieu d'Élisère. Élisère était un leader, mais un leader serviteur. Il avait Abraham comme chef, hein, comme chef hiérarchique. Il savait qu'il doit se soumettre à son chef. Mais il savait aussi, le Dieu d'Abraham est le chef des chefs. Il savait aussi qu'il doit obéir, se soumettre surtout au Dieu d'Abraham. La seconde étape, c'est l'engagement. La seconde étape, c'est l'engagement. La Bible nous dit, après la question, après la réponse d'Abraham, Élisère avait décidé de jurer fidélité. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Il y a un temps pour la réflexion, mais il y a un temps pour s'engager. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. De même que Joseph avait mis la main sur la cuisse de son père. Son père qui lui avait demandé de ne pas l'enterrer en Égypte. Il avait respecté l'engagement. Je viens de dire le texte, hein, de Salomon. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Le mariage, c'est un vœu. Mais tout ce qu'on fait dans la présence de Dieu, c'est un engagement sacré. La troisième étape de la marche difficile, la marche à suivre pour réussir, c'est que Élisère a pu sélectionner ses compagnons de route. La parole de Dieu nous dit, voix de Richard, la parole de Dieu nous dit, le serviteur prit des chameaux parmi les chameaux de son seigneur. Il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie. Mais il ne va pas seul. Il avait choisi des compagnons de route. Abraham n'était pas un nomade solitaire. La parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 13, quand un fuyard s'était arrivé auprès de lui pour dire que l'eau est en danger, la Bible nous dit que Abraham avait pris 318 de ses meilleurs soldats. Il était encadré. Il était un homme riche. Il était un homme riche en brebis et en chameaux. Il était un homme riche en or et en argent. Donc, il avait besoin des hommes pour gérer ses biens. Il avait plus de 1000 personnes à son service. Mais pour sauver la vie de l'eau, il avait décidé de choisir 318 meilleurs soldats capables de combattre ceux qui ont capturé l'eau. Donc, pour montrer que Élisère avait choisi 10 chameaux. Nous pouvons comprendre, il avait choisi 10 chameaux. Un pour lui, un chameau pour lui. Et 8 pour ses compagnons de route. Un chameau vide pour qui? Répondez. Hein? Pour Rebecca. Un chameau pour Rebecca, c'est un acte de foi.
Élisée avait sélectionné ses compagnons. On ne peut pas faire ministère avec n'importe qui. C'est de l'hypocrisie. Gémon ou pas qu'à fonctionner avec elle. Même les nobles dans le ciel. Il faut une sélection. Des compagnons de route. Compagnons de route, compagnons de ministère. Comme dit la Radio Lumière. Nous sommes chrétiens. C'est l'église. Mais quand même, Abraham avait plus de 1000 soldats. Mais Élisée a pu choisir au moins 8. Élisée avait sélectionné ses compagnons. Élisée avait pris les provisions nécessaires. Cadeau pour le dos par la foi. Il est dit, témoin des richesses et du bien-être d'Abraham. Il avait pris les provisions nécessaires pour aller jusqu'à Charan. Il n'était pas un homme qui gaspille les biens de son maître. Cinquième étape, il allait à l'endroit désigné par son maître. Il ne fait que ce qui lui a été prescrit. Il n'avait pas fait comme Jonas, mais il allait à l'endroit désigné. Selon Genèse 24, verset 12-14. Dans la lecture, nous voyons qu'Élisée avait prié. Il avait élaboré un plan. Il croyait dans la planification. Et septième étape, hein? Élisée se soumet. Il soumet son plan à Dieu. Il avait l'esprit de soumission. Et huitième étape, il priait pour être orienté et guidé. Neuvième étape, Élisée laissait la place pour l'intervention de Dieu. Dixième étape, il savait attendre l'heure. Il y a des leaders qui n'ont pas de patience. Et même des leaders serviteurs qui n'ont pas de patience. Onzième étape. Élisée surveille avec attention. Genèse 24, verset 1er, la vigilance. Douzième étape pour une mission difficile, pour la réussite d'une mission difficile. Il accepte la réponse avec reconnaissance. Genèse 24, verset 26-27. Treizième étape, Élisée explique tout aux parties impliquées. Il présente la véritable raison de sa démarche, revêtue de sagesse pour gagner la confiance de tous. Quatorzième étape, Élisée refuse tout retard. Il ne croit pas dans la procrastination. Laissez-moi partir. Quinzième étape, Élisée rend compte de tout ce qu'il a fait. Gérer pour rendre compte. Genèse 24, verset 66. Seizième étape. Très, très important. Élisée se renonçait à lui-même. Il ne parlait pas de lui-même. Il se présente seulement.
avec l'expression « Je suis serviteur d'Abraham ». Non pas sur son propre nom, Eliezer de Damas. Non pas sur le titre « Bishop, pasteur, mais serviteur ». Un leader serviteur qui a réussi sa mission. Et une mission vraiment difficile. Oh, si ou pas penser mission Eliezer était difficile, eh bien, ou a rete Port-au-Prince, un peu yon moun sot nan not avin di ou, bon, m'fon révélation, m'bral, m'vini pou bon petit fou la pou mal marié à un moun au Cap. Ou t'as pas accepté? Ou pas comprendre que mission Eliezer là, difficile? Est-ce que n'importe moun te ka convaincu? Hein? Père de famille. N'importe moun te ka vin convaincu pour prendre petit garçon ou une petite fille sous révélation, sous vision la mais céleste. Vous dit que bon, on la petite là. Non. Ou pas t'ap fait ça. Parce que mission est difficile. Mission te paraît impossible. Mais bon Dieu ça qui était fidèle envers Abraham. Elle te dit Abraham pour Abraham enseigner toute famille dans Genèse chapitre 18 non seulement famille mais tout le monde la caille. Et Eliezer te enseigné, il te gagne la crainte de Dieu. Malgré toutes conditions te réunies pour ce lit te vin héritier Abraham. Malgré ses velte propres, malgré ses li te seul candidat. Mais Eliezer accepté la volonté de Dieu. Eliezer accepté au lieu de vin héritier pour lui un témoin. Pour le témoin mariage là. Oh, ça m'a dit gros sacrifice, renoncement de soi. Eliezer pas mettre accent sur non. Après le mariage d'Isaac et de Rebecca, il y a un petit commentaire qui fait. Pendant Rebecca avec Isaac à vivre comme mari et madame. Un petit commentaire qui parle dans la Bible. Un petit commentaire que un auteur réfléchit. Gion là, Isaac y a fonctionné ensemble avec madame ni. Et puis non Eliezer sorti dans bouche Isaac. Isaac a parlé, il dit, il parlait et puis il citait non Eliezer. Rebecca m'a dit, qui est-ce qui est Eliezer? Isaac dit, Eliezer, oui. Qui est-ce qui est Eliezer? Qui est-ce qui est Eliezer? Sauf le dit là, Eliezer. Isaac connaît Rebecca, connaît Eliezer. Et Rebecca pas même connaît Eliezer. Isaac dit, Eliezer, Eliezer, qui ça? Sop dim là. Dim vérité, qui sop dim là? Eliezer, mou konne Eliezer là, livre dit, l'éternel est mon secours. Dit, qu'est-ce qu'on va comprendre là? Monsieur Saktal chache ou mene ban mouen, oui? Rebecca dit, li pa jem parle mnon l'on. Il dit seulement, il s'est serviteur papa Olivier. Parce que le culte de soi pas en dedans Eliezer. Vous connaissez grand pile monde depuis le paraît, il dit mes diplômes ni mes côté l'étudier, mes voyages, il fait mes toute bagaille, mes exploits faire dans la vie. Donc ça t'est resté Eliezer niveau de spiritualité Eliezer comparé. Je dis Eliezer c'est type du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir, Jésus-Christ dit que le Saint-Esprit va venir, il ne peut pas parler de tête, il a parlé de moi. Et c'est ça qui fait tout vrai serviteur, mon Dieu, c'est pour lever Jésus, puis haut, et puis pour descendre. Suspendre, lever tête, nous,
pour nous réussir même les voyages les plus difficiles. Même mission qui est difficile, ou une mission qui est difficile, qui pas peut-être même bagay avec Eliezer, mais mission pour la difficile. Pour kembe foyer, pour gérer foyer, pour faire éducation, pour faire études, pour faire ceci, pour faire cela. Pour respecter tête ou dans l'entreprise là, dans bureau l'État, pour comporter comme chrétien. C'est pas facile. Oh non, non pays corrompu, n'est pas facile. Une mission difficile. Bon Dieu voyo al travail tel côté pour ka représenter. C'est une mission difficile. Et pour sortir avec tout témoignage, pour rentrer avec témoignage, pour sortir avec témoignage, c'est pas une mission facile. Et surtout dans un pays de corruption. Mais bon Dieu voyo pour accomplir une mission. Voyage là, la vie a son voyage. Et année ça a son voyage. Ou bien commencer, moi souhaite ou bien finir. Moi c'est tout réussi voyage. Si bon Dieu te kabaye grâce pour Eliezer accompli voyage difficile ça, ou ka accompli voyage qui paraît difficile devant jour là, ou ka sorti avec un témoin vivant. Non qu'a écrit dans les annales de l'histoire, moun qui accomplit conquête, moun qui fait conquête, moun qui fait qui accomplit des tâches difficiles, bagay qui paraît impossible, bagay qui ka fait l'autre moun dit si c'était moi pas tap capable. Ou pas tap capable pour tout, mais gen grâce. Gen grâce pour accomplir dans sa ouye. Peut-être gen moun là, c'est vivre avec un mari difficile. Son mission difficile. Mon mari qui pas comprend non. Ah, et pourtant bon Dieu voulait rencontrer li bon pour aller avec elle pour un rendez-vous avec l'ancien. Mission difficile. Une étape à respecter pour accomplir. Peut-être c'est une madame, peut-être c'est petit monde qui pas voulait faire l'évangile. Mission difficile. La vie a rempli mission difficile. Mission non difficile, mais notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Mon mari pas comprend nous, mon madame qui pas comprend nous, ti monde qui pas soumettre, ti monde qui pas obéissant, ti monde qui pas veut faire l'évangile. La vie a très très difficile. Mission non très difficile, un côté on l'autre. Mais notre Dieu est fidèle. Encore moi souhaite au même souhait encore Abraham te fait et Eliezer là on terminé on dit encore et même Jean il te dit l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Moi serviteur, moi connais mon Dieu toujours dit mon ministère difficile. Même qu'à témoigner, mon Dieu marchait avec moi. Je suis un pile témoin, bon, d'abord, malgré mission difficile, même qu'à dire, tout le monde, moi, yo, ça. Bon Dieu, ça, qui te marché avec moi, il a marché avec moi. Et non seulement je dis petit, moi, ça, même qu'à dire, Delma 17, ça. Bon Dieu qui marché avec moi, il a continué à marcher avec moi. Que bénédiction m'gayen, que le réjaillit sur la vie. Que année ça, une année de miracle, de vie, de victoire, de succès, de réussite. Malgré les difficultés, mon Dieu commençait à voir là, la praler plus loin avec. Excelsior, que mon Dieu volait avec plus haut. Que mon Dieu fait grâce, que moi marcher avec. Que tout obstacle sortit devant. Qu'on vole plus haut. Qu'on recevra la bénédiction du sommet. Ça n'a pas fait sans difficulté. Il y a une difficulté, c'est vrai. Mais Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Que Dieu vous bénisse.